Vous êtes les mannequins, genre, vous êtes trop gigolo, vous êtes trop joli, vous êtes trop... Vous êtes fidèle d'élégance, non. La vie, c'est pas courant. Tout ça, là, ça a commencé avec couper, couper. Mais là où ça s'en va, là, ça devient foutaise. Ça devient foutaise. Genre, les filles, est-ce que vos gars peuvent faire le poids devant eux-mêmes? Hein? Mais fallait lire les commentaires. Quand tu lis les commentaires, tu comprends. Mon goût net, net. Un beau noir. Chocolat, aïe. Je croque lequel en premier. Ma sœur, on t'a demandé de choisir. Ça fond dans ma bouche comme sucre et fait exploser ma glycémie. Tu pouvais pas rêver en silencieux. Et quand tu vois les filles qui écrivent des commentaires comme ça, c'est des vilaines, vilaines. C'est des filles qui ont extrêmement faim. Association de gourmets. Les jolies filles, les filles qui peuvent sortir avec les jolis gars, les beaux mecs là. Elles disent pas ça. Tu as compris? Un minimum de retenue. De retenue. Tu as compris? Tu as compris? Ouais, c'est pas la tête giga que vous êtes quoi. Hein? Hein? Un peu de respect. Viens mon gros, calme-toi d'abord. Et puis d'ailleurs, revenons sur l'histoire de faire le poids là. Vous connaissez le travail que les gars accomplissent pour pouvoir garder leur go? Pourquoi ils vont pas faire le poids? Pourquoi ils ne peuvent pas faire le poids? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de soi-disante beauté. À cause de beauté seule. Seule. Parce que techniquement, pour le reste là, vous ne savez pas. Mougou. Est-ce qu'il mougou bien? Est-ce qu'il peut faire tout ce qui est dans ton cœur là? Choua, comme ça. Est-ce qu'il peut faire ça? Si elle est encore avec son gars là, c'est parce qu'il assure. Si c'est pas ça, c'est l'agent. L'agent. Agent de poulet. Argent de robe, argent de maquillage, argent de mèche, faux cheveux. Tout ça là. À part ça, il y a aussi le charisme. Le comportement. Ça ne doit pas être un comportement de facochère. Non. Ni de kala-kala. Non. Mais de gentleman. De bad boy. Pour certaines filles. C'est pour ça qu'il y a des vilains garçons qui sont avec des jolies filles. Vous n'avez jamais compris ça. C'est la haute science.